N'a dit bonjour, bonsoir à tout le monde qui vit dans le cadre de l'an, spécialement avec tout le monde qui est abonné, qui toujours commenter et monde qui like page là et partager vidéo nous yo. Mais journal international yo qui entre la caillou en détail pour journée jeudi 11 juin 2023. Christine Alizé Jean-Jacques, c'est une jeune fille qui a 23 ans seulement, qui est arrivée tuer tête li samedi 3 juin 2023, dans l'après-midi, dans une art galerie dans Manhattan, New York. Papa jeune fille ça, qui c'est Alizé Jean-Jacques, qui c'est CEO Clairin Lacaille, et maman li, professeur Raquel Roy, rete inconsolable après avoir fini de recevoir la nouvelle ça. Christine Alizé Jean-Jacques, t'es déjà gagné un bachelor degree depuis l'elle t'a gagné 20 l'année, et l'été a continué étude li dans psychologie et sciences politiques. Malgré incident ça, t'es passé 3 juin 2023, policiers ont kembe cadavre Christine pour 2 jours pendant yo tap mené investigation et ont remet cadavre Christine by family dans lundi qui était 5 juin 2023. Jusqu'à présent n'a parlé à la investigateur yo pour qu'on déterminer qui ça qui la cause Christine voler sorti dans 4e étage et la école en bas. N'a souhaité condoléances à famille et amis qui touché par la mort Christine Alizé. N'a continué avec nouvelle internationale yo, Michael Travis Lee qui c'est un musicien américain joint arrestation li dans pays la Russie. Accusation qui tombe sous droit américain ça fait quoi que li a vendre jeune drogue. Et ben dans moment n'a parlé à la Michael en bas code et l'a prêté dans prison pour juste 6 août 2023 qu'a venir là parce que ce jour ça il pral paraître devant la justice dans pays la Russie. N'a signalé que ça fait 3e américain qui arrêté dans pays la Russie pendant année qui passé yo et qui créé une tension entre autorité russe et autorité américaine. D'après ça, journal américain CNN fait connaître, Michael c'est un musicien et un producteur qui gagne plusieurs années qu'a vivre dans pays la Russie et lui montrer qu'il gagne en pile l'amour pour pays là. Officier dans pays États-Unis déclaré rejoindre Ted Kaczynski mouri dans en prison dans une cabine prisonnier dans Montana, États-Unis. Ted c'est un prisonnier qui était condamné pour te faire toute 13 villes dans prison pour une bombe qui était éclaté dans l'année 1978 dans pays États-Unis qui était la cause 3 monde mouri et 23 autres blessés. Après incident ça a été fin passé, Ted était dans marron et il était fait presque 20 l'année évadé. En 1996, finalement autorité américaine ont mis mes soumissé et ont condamné pour te passer toutes 13 villes dans prison sans aucune famille ou bien amis pas capable visiter dans prison. Ancien président américain Donald Trump gagne 37 accusations sous tête li. D'après justice américain, yo chargé Donald Trump pour possession sans autorisation matérielle classifiée, obstacle à la justice, utilisation faux documents et fait faux déclaration by la police pour citer ça yo seulement. Pas oublier, chaque charge sa yo gen pénalité pa yo. Bon côté, par ancien président et dirigeant républicain Donald Trump, t'a rejeté toute condamnation sa yo. Li fait connaître, c'est une poursuite politique, quelques experts légaux insister accusation sa yo pour qu'en empêcher le président dans la prochaine élection qui pral vini yo là. Il te continue pour le dire, mais moi connais peuple américain camp PDM et yo mettre ferme confiance. L'homme président m'a changé situation économique pays a même jamais t'es fait dans premier mandat yo t'es ban moyen. Eh bien c'est là nous mettez fin avec journal international là pour jodi a. N'a dit ou merci avec ou même qui t'a suivre et pas oublier abonner, partager, like pour capable joindre toutes dernières nouvelles qui fait actualité dans pays d'Haïti avec tout pays dans reste monde là. Merci, n'a croisé dans l'autre vidéo.